Good morning, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Israël Vefani et Dvora Bat Esther. Si vous souhaitez vous aussi de donner une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sechet Yevamot Meregedalet Mishnah Yehudi, Ayevama Lotachlots, Velotitiabem, Ache Yeshla Shalosh Kadashim, Vechen Kol Shara Nashim, Loita Orsu, Veloina Seu, Ache Yulaen, Shlosha Kodashim, Echad Betulot, Ve Echad Beulot, Ve Echad Gibushot, Ve Echad Almanot, Ve Echad Nesuot, Ve Echad Arusot. Rabbi Yehuda Omer Anesu Ot Itarsu Ve'arusot Inaseu. Chutz min Arusa Shebi Yehuda. Mipene Shelebo Gazva. Rabbi Yossi Omer Kol Anashim Itarsu Chutz min Almana Mipene Ha'ibul. Un sujet qui va entraîner un deuxième sujet dans la même Mishnah. On commence par traduire la situation à Yevama. La Yevama, celle qui attend qu'on lui fasse le Yiboum. L'otachlotz, l'otitabem, elle ne pourra faire ni la chalitza, ni le hiboum, atche yeshla shlosha chodashim, jusqu'à ce qu'elle patiente, depuis le décès de son mari, 3 mois entiers. En fait, on a Reuven qui est décédé sans enfant, donc Yala, Yevama, maintenant, elle doit, en théorie, se marier avec Shimon, ou au pire, lui faire la chalitza. On lui dit, tu sais quoi, 3 mois, vous restez pour le moment en stand-by, ni chalitza, ni hiboum. Pourquoi 3 mois? 3 mois, c'est le temps requis pour pouvoir s'assurer qu'une femme n'est pas enceinte. D'accord? Des fois, ça peut prendre jusqu'à 3 mois pour qu'on... Shalosh Chodashim, la karat haoubar, ça s'appelle. Pour qu'on reconnaisse, qu'on voit qu'elle est enceinte. Imaginez que la veille du décès, ils ont eu un rapport, et bidou qu'elle est tombée enceinte. Et personne ne le sait. Vous imaginez la catastrophe, tout d'abord, si elle va faire le hiboum. Elle va patienter 1 mois et demi, elle va se dire, ouais. Et après, elle va faire le hiboum. Après 2 semaines, elle a le ventre qui commence à grossir. C'est le fils de qui maintenant? Le fils du premier frère, le fils du deuxième frère. On ne sait pas à qui il appartient. Il n'est pas mamzer, il n'a aucun problème, parce que de deux choses l'une, soit c'est le premier frère, donc c'était une erreur d'aller avec elle. C'était mamash, il y a un issour très grave d'inceste, parce que la femme de son frère, même après décès, elle lui est formellement interdite, si ce n'est pas parce qu'elle est mise à deux boum. Mais en tout cas, il a fait ce qu'il a fait. Mais le petit, il est cachère, mais on ne sait pas c'est qui son père. Or, c'est important de savoir. De savoir qui est le père. C'est un pasouk, qu'on étudie ça dans la Gemara. On rapporte un pasouk sur l'importance. Liot lecha l'Elohim ol zaracha acharecha. C'est important de savoir qui est son père, tout simplement. Et pas, d'accord? Pour plein de halachot, et pour nécessité d'avoir des mishpachot amiyuchasot. De ce fait, pour ne pas arriver à une situation pareille, on fera pas le, pour ne pas faire le hiboum, on patiente 3 mois pour faire le hiboum. Et autant que je te dis de patienter pour faire le hiboum pendant 3 mois, je te dis de patienter pour faire la khalitza pendant 3 mois. Parce que ça va de soi, ça va de pair. Si c'est pas le moment de faire le hiboum, c'est pas non plus le moment de faire la khalitza. Pire que ça, il y en a eu dans la Gemara qui pense, comme ça c'est retenu la halakha, que s'il fait la khalitza pendant qu'elle était en réalité enceinte, et qu'après même le petit il va mourir même, et bien il va s'avérer que la khalitza n'était pas une bonne khalitza. D'accord? Donc en fait, la yevama, depuis le moment où son mari décède, elle doit patienter 3 mois. J'ai malheureusement entendu qu'il y a une histoire au début de semaine de quelqu'un que je connaissais qui aussi décédé sans enfant. Ouais, donc il a laissé maintenant, il a 58 ans, le pauvre. Et maintenant, sa femme, elle va devoir attendre pendant 3 mois pour qu'il y ait un frère qui lui fasse la khalitza ou le hiboum. D'accord? Ensuite, deuxième partie de la Mishnah, en fait, puisqu'on a déjà parlé sur la nécessité de différencier les enfants, savoir à qui ils appartiennent. Alors la Mishnah me dit, Vechen kol sh'ar nashim. Idem aussi pour toutes les femmes. Loit arsu veloinasu. Ni elles se fianceront, ni elles vont se marier à Cheyulen shlosha chodashim, jusqu'à qu'elles aient 3 mois depuis le moment où leur mari ou préposé à être est décédé ou divorcé. Soit, la Mishnah vient me dire, en fait, de manière très générale, c'est fréquent aujourd'hui aussi, une femme qui divorce ou une femme qui son mari décède, interdiction formelle de se marier pendant 3 mois, de peur que le premier, il a laissé un enfant dans le ventre. C'est des situations qui arrivent. Et on a déjà entendu des cas de divorce, par exemple, où finalement, 3 semaines après le divorce, elle a le ventre qui grossit, c'était un rapport qu'ils avaient eu avant de divorcer. Et puis donc, d'accord? Donc la Mishnah, elle lui enseigne, tu laisses, si une femme, elle veut se marier après son divorce ou après que son mari décède, elle doit passer d'être 3 mois. Maintenant, j'ai vu une petite introduction d'abord pour bien lire la suite facilement. Vous savez qu'aujourd'hui, on fait les fiançailles après le mariage. Dans les fiançailles, ça nous engage à presque rien. Même chez les Ashkenazes, chez qui c'est les fiançailles, dans les Shivot Ashkenazes, spécialement, je ne sais pas si dans le monde moderne, Ashkenaz est encore en vigueur, mais en tout cas, où il y a beaucoup plus d'engagement, mais c'est encore des engagements qui n'engagent en rien. Concrètement,
Pas tellement. Mais à l'époque, lorsqu'on faisait les fiançailles, le mari donnait la tabat, il faisait des kiddushin. Il achetait la femme. Mais la femme, ce n'était pas encore sa femme. Ce n'était pas encore sa femme pour vivre avec elle. Elle n'avait pas fait les nisouin, elle n'avait pas encore fait la choupa. On donnait les kiddushin, et pendant, après, chacun rentrait chez soi, vivre et dormir. La femme, elle avait un statut spécial, elle était acquise comme une femme, mais il n'y avait pas encore, ils n'avaient pas encore même, ils n'avaient même pas encore le droit d'aller ensemble. Ils n'avaient pas fait les shalabrachot. Il faut nécessairement faire les shalabrachot pour pouvoir commencer pour pouvoir vivre ensemble. Et pire que ça, il peut pas, si c'est un Kohen et qu'elle décède, il pourra pas s'impurifier pour elle. Pour le moment, il ne touche pas à la ktouba, il n'est pas engagé à la nourrir ni rien. Il a juste acheté une femme sans qu'il la fasse entrer chez lui pour vivre. Ça, ça s'appelle les kiddushin. Et après, la deuxième partie quand ils se marient avec elle, ça s'appelle les nisouin. Donc il s'avère qu'après les kiddushin, normalement, ils n'ont pas eu de rapport entre eux. Après les nisouin, bien évidemment, il y a eu un rapport entre eux. Ça, c'est une première donnée très importante sur laquelle ça va jouer beaucoup. À part ça, il faut savoir aussi qu'il y avait en Yehuda, en Judée, il y avait Yehuda et Galil, et vers Yarden, il y avait trois secteurs dans trois régions en Israël. Dans toute la région de Yehuda, ils avaient l'usage que malgré tout, au moment où ils faisaient les kiddushin, ils disaient aussi les Sheva Brachot, et ils laissaient le Khatan Kala s'isoler un petit peu. Ils ne vivaient pas ensemble, mais pour s'isoler, pour un petit peu être moins timide ensemble, donc ils avaient le droit d'isoler. Ils se faisaient probablement des câlins, et des fois ça pouvait même aller pire. Ou plus, c'est pas sourd, puisqu'ils avaient fait les Sheva Brachot. Et ça c'était leur usage en Yehuda, de s'isoler ensemble, chez Elibo Gazba, pour qu'il se sent plus familier. Vous imaginez, prenez deux coincés complètement, ils vont se marier et ils se retrouvent le premier soir de devoir passer à la fête alors qu'ils n'ont jamais vu une fille, même tellement qu'ils vivent dans la doucha. Donc, pour ne pas arriver à des situations pareilles, ils avaient l'usage qu'après les fiançailles, on les laissait s'isoler un petit peu, se familiariser un petit peu, une fois, deux fois, trois fois, et comme ça, après, arrivait le moment des Nisouin où ils se sentaient beaucoup plus complices. Et capable de passer plus à l'acte. Tel était l'usage. Et donc, il s'avère aussi que parfois, ça pouvait arriver que pendant ces moments où ils s'isolaient ensemble, il pouvait peut-être y avoir passé à l'acte. D'accord, on a toutes les données maintenant pour commencer à expliquer la Mishnah. Je vous explique d'abord tout à l'oral. Notre problème maintenant, il est de savoir, on a dit qu'une femme qui se retrouve divorcée ou veuve, elle doit patienter pendant 3 mois, de peur que le premier mari la laisse enceinte. On va prendre en fait 2 avis et demi dans la Mishnah. Un premier avis qui va me dire... Je ne fais aucune distinction dans toutes les situations, même si elle était juste fiancée, même pas mariée, donc elle a donné les kiddushin, mais elle n'a pas eu les nisouin, il faudra aussi les séparer et lui dire d'attendre 3 mois, même si on sait qu'elle était vierge, ils ne se sont jamais isolés, c'est le fils de l'admour avec la fille de l'admour, ils ont donné les kiddushin, après ils sont chacun rentré chez soi, finalement le fils de l'admour, il est parti, elle doit patienter pendant 3 mois, on ne fait aucune distinction de peur qu'on va s'embrouiller, et pire que ça, même si lorsqu'après le vouloir se marier, on ne parle pas de se marier, de s'isoler, on parle juste de redonner les kiddushin, faire donner la bague, mais sans, même ça on te l'interdit, ça c'est le premier avis qui est très strict. Même si finalement, si vous faites attention, c'est une khumra très violente, parce qu'en réalité, elle ne s'est pas isolée avec le premier mari, et il n'est pas question de s'isoler avec le deuxième mari, quel est le problème de donner des kiddushin? Malgré tout, le premier avis va me dire, je m'en moque, on interdit tout, de peur qu'après il va y avoir des takalotes, des... On va, d'accord, des situations pas floues et on va pas savoir quoi faire. On va pas savoir qui est le père. Donc du coup, on supprime tout. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Le deuxième avis de la Mishnah, il va me dire, non, en 2 minutes, il n'y a aucune raison d'être tellement strict. S'ils ne se sont pas isolés, il n'y a pas d'enfant. Donc, si, alors du coup, il va me dire comme ça, le deuxième avis, il va me dire, s'il est question d'avoir des enfants, alors il va me dire comme ça, si toutefois, elle était juste fiancée, elle aura le droit même de se marier pendant les 3 mois. Si elle était mariée, elle aura le droit de se fiancer pendant les 3 mois, mais pas de se marier et marier. Ouais, quand je dis. Si elle avait fait les nisouin, elle aura le droit d'être mit arrêt, de faire les iroussin, de se fiancer. Si elle était fiancée, elle aurait même le droit de se marier. Si elle était mariée, elle avait fait les nisouin, elle n'aura pas le droit de faire des nisouin. Ça, c'est la vie qui va interdire. Ouais, plus ou moins, ça va être la vie de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi avec quelques petites nuances. On va maintenant avancer dans la Mishnah, puis quand on arrivera chez eux, on expliquera un peu mieux la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Donc sur ça, je reprends la Mishnah. Vechen kol shara aneshin, idem aussi pour toutes les autres femmes. Lo itarso, elles ne se fianceront pas. Velo inaso, elles ne se marieront pas. Achivulain shlosha chodashin, jusqu'à qu'il y ait 3 mois de distinction pour savoir qui est le fils de qui. Echad betulot, qu'il s'agisse de filles vierges. Echad beulot, qu'il s'agisse de filles
qui ont eu déjà un rapport avec leur mari. Et Had Grouchot Vechad Almanot, qu'il s'agisse aussi de femmes qui ont été divorcées ou qui ont été veuves, qui sont devenues veuves parce que leur mari est décédé. Et Had Nesuot Vechad Arusot, qu'il s'agisse aussi de femmes qui ont été divorcées ou devenues veuves depuis les Nisu'in ou depuis les Irusin, depuis le moment où elles étaient mariées, avec le Ihud, ou même depuis le moment où elles ont été fiancées aussi. On interdit tout. 3 mois de pause. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda va dire non, il n'y a pas de raison d'être tellement strict. Anesu'ot, Itorsu, celles qui étaient mariées, qui vivaient déjà avec leur mari, elles auront le droit de se fiancer, ça n'engage en rien, ils ne vont pas s'isoler. Ve'arusot, et celles qui étaient juste fiancées, Inasu, elles ont même le droit de se marier pendant les 3 mois. Celles qui étaient mariées, elles ne pourront pas se marier, mais celles qui étaient fiancées, elles pourront se marier, celles qui étaient mariées, elles pourront se fiancer. À une seule exception, Chutzmina Arusot chez Biyuda, à une seule exception, c'est les filles fiancées qui vivaient dans la région de Yehuda, pourquoi ? Mais peinaient chez Libo Gazba parce qu'ils avaient plus de familiarité, c'est-à-dire, étant donné qu'on les isolait pour qu'ils se familiarisent un petit peu plus, il avait lieu de craindre que peut-être, même si elle était juste fiancée, en réalité, peut-être qu'elle allait déjà tomber enceinte. Ok ? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, sur ça, vient Rabbi Yossi, il va nous rajouter une toute petite précision. D'abord, j'ai après, je traduis. Rabbi Yossi, Omer, Kol, Anashim, Itarsut. Rabbi Yossi m'enseigne, toutes les femmes pourront se fiancer. Chutz mina almana, mais à une seule exception, c'est la veuve. Il peine à Yiboul pour une toute autre raison, à cause de la aveloute du deuil. Elle doit. J'ai un petit problème. Ouais, ça dure. On a la Mishnah, c'est-à-dire. La Mishnah, elle m'a enseigné en fait. Tu sais, il n'y a aucun problème. Si. Toutes les femmes, elles ont le droit de se fiancer. Même si elle a vécu avec son mari, elle a le droit de se fiancer. Mais malgré tout, la almana, la veuve, elle devra patienter 30 jours pour se fiancer, étant donné que pour le moment, elle est 30 jours du deuil de son mari, et elle n'a pas le droit de se réjouir durant ces 30 jours. D'accord? Donc du coup, c'est le seul petit ajout de Rabbi Yossi qui est venu mentionner donc que la almana, elle doit attendre nécessairement 30 jours pour pouvoir commencer même à se fiancer. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.